Salut tout le monde, c'est Never Back George et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Munich et les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. C'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'on joue une équipe de Bundesliga. Je vais faire tourner, je vais mettre cette équipe à part que je vais laisser dans les buts Ortega et que là je vais mettre Rama. Et cette équipe de remplaçants, je trouve personnellement qu'elle a de la gueule. Elle a de la gueule, on met comme ça sur le banc, ok, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça, donc oui, comme je disais, c'est la première fois qu'on va jouer une équipe de Bundesliga. Donc à voir comment ça va se passer. Et ce qui est top, c'est que si on remporte ce match, on serait déjà en demi-finale. On serait plus qu'à un match de la finale. Donc ça pourrait vraiment être terrible, quoi. Ça serait super génial. Et si après, il suffit qu'on tombe en demi-finale contre une petite équipe encore possible et qu'en finale, ensuite, ça soit un ogre. Il faudrait juste réaliser un exploit pour être en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et franchement, j'y crois un petit peu. J'y crois un petit peu à cette coupe. Je pense qu'on peut y arriver, malgré le fait qu'on joue. Oula, malgré le fait qu'on joue avec nos remplaçants dans ce quart de finale. Peut-être qu'en demi ou en finale, je ne prendrai pas autant de risques. Là, je pense que Mayence, c'est vraiment faisable. D'ailleurs, Mayence qui était dans le sondage hein, tout au début, si vous vous souvenez, qui était dans le sondage dans les clubs que je vous ai proposés. Vous avez d'ailleurs choisi Munich, hein, bien évidemment. Sinon, je ne serais pas avec Munich là. Hein. Ça serait pas trop ça. Allez. Faut essayer de bien jouer. La semaine dernière, c'était le 8ème de finale. On s'en est bien sorti. Là, c'est le quart de finale. Ça serait top. Ça serait top d'y aller. Franchement, là, j'y crois vraiment. Je vais tout donner. Et je dis ça. Et à la fin du match, on va se prendre 4-0. Allez, Léa. Léa, mais ça monte pas sur le côté là. Ouf. Oh, la grosse faute. Alors là, ça, c'est carton rouge. Oh lolo, ça mérite un carton rouge. Vous avez vu comment il a volé? Waouh. Oh, il était impressionnant ce tacle. Allez, Kagelmacher, c'est complètement manqué. C'est complètement manqué cette passe. Voilà, c'est récupéré. Faut jouer sur Baumgartlinger là, qui a un carton jaune. Il faut jouer sur lui. D'ailleurs, Mayence, si je ne m'abuse, c'est bien le club de Devante Parker. J'aurais dû le mettre titulaire en fait, j'y ai pas pensé sur le coup. Oh non! Ouf! Il est hors jeu! Il est hors jeu, ça c'est génial ça! Eh, fais ton flamme pas, t'es hors jeu mon pote! Ah, faites ton but, mais il n'y a pas de but! Ortega, tu m'avais déçu là pour le coup. Oh là, Kagelmar. Oh là là, je joue très très mal dans ce début de match. J'ai la pression, franchement, j'ai vraiment la pression dans ce match. C'est rare que je l'ai dans ce jeu, mais là vraiment, je l'ai. Et c'est plutôt cool, hein, parce que quand je joue tout seul. Enfin, quand je joue tout seul, quand je joue pas pour YouTube, j'ai pas beaucoup de pression dans mes matchs. Même si c'est des matchs importants, je sais pas, je ressens pas de pression. Alors que là, je sais pas pourquoi, j'ai le fait de le commenter, je le vis encore plus. Et j'ai vraiment une pression de ouf. Mais là, ces 20 premières minutes sont catastrophiques. On joue vraiment très très mal. Et Mugoza. Ah, dommage, Mugoza, dommage. On joue vraiment très très mal, comme je disais. C'est pas top, c'est pas top. Oula, n'importe quoi ce qu'il a fait là. Niederlechner. Là, si on avait pris Mayence, on aurait eu des joueurs avec des noms. Waouh! Niederlechner. Oh, de Blasi, ça passe. Baumgartliner. Allez, la casette pour Bandowski. Bandowski pour Amiri. Ah, dommage, dommage. Baumgartliner. Oh, attention, c'est mal joué. Et voilà, et la casette encore. La casette qui est toujours là. La casette. Ah, il est poussé. J'aurais dû faire la passe. Je me suis enflammé. Mais la casette qui est tout le temps là pour récupérer les ballons, il est incroyable. Voilà, il perd pas la balle. C'est pour Kagelmacher. Pour Simon. Simon qui revient dans l'axe. Il passe deux joueurs. Ah, dommage, dommage, dommage. Benson. Voilà, bien joué la casette. Encore la casette. Hein. Et Amiri. Amiri qui va jouer là-bas sur le côté avec Valdetrama qui va tenter sa chance. Ça sera un corner. Ça sera un corner et Lacazette, encore une fois, qui m'impressionne. Il a beau avoir un niveau général très très bas, il est vraiment très très bon. Et Lacazette, justement, c'est lui qui va centrer. Ah, dommage, il était beau le centre. Il n'y a personne à la récupérer, là. Et c'est Lacazette. Allez, et Lacazette, oui, en dommage. Il est incroyable. Ah, Bandowski, très mauvaise passe. Baumgartliner, faut le presser, lui. Faut jouer sur lui. Voilà, Simon. Il n'y a pas faute en plus. Oh, il a anticipé le salaud Bungert. Nico Bungert. Un joueur que j'adore d'ailleurs. Oh, bien joué. Il a anticipé la passe. Vous avez vu, il s'est déplacé quand j'ai fait le mouvement.
Ah, j'aurais pu continuer seul avec Simon. Dommage, dommage. Ça va, on se reprend dans cette deuxième partie de première période. Oula, la grosse faute. Benson qui a aussi un carton jaune. De Blasis, il est passé. La belle passe. Oh, magnifique le tacle. Magnifique, magnifique, pardon. Je vais pas vous cacher, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ordi. Merci à lui. Brosinski. Frey. Allez, belle la passe. Allez, magnifique. Mali. Ortega, bien joué. Bien joué, là, c'était super ce qu'ils avaient fait. Oula, c'est dangereux. La casette. La casette, voilà, pour Mugosa. Et Mugosa qui a vu l'appel de Valdetrama. Valdetrama qui part dans la profondeur. Il repique, voilà, c'est bien joué. Il va la remettre à Mugosa. C'était bien dans le, dans l'intention, mais c'est mal exécuté. Ouais, le ballon qui circule bien. Beister. Allez, la casette. La casette qui récupère encore un ballon. Je compte même plus le nombre de ballons qu'il récupère par match, c'est incroyable. Valdetrama, c'est bien donné. C'est bien donné vers Simon. Ça sera un corner, ça sera un corner. Ça. Allez, l'arbitre indique le poteau de corner. Allez. Allez, allez. Carton jaune. On va essayer de la jouer en retrait. Ah, j'ai pas sorti assez. Ah, très très mal joué. Mugosa qui prend un jaune, je sais pas pourquoi. J'ai très mal joué ce corner, je l'ai pas joué comme je voulais. C'est pas à lui en retrait que je vais la mettre, c'était plus encore en retrait. Faut que j'apprenne à les faire cela. Je vais avoir besoin d'entraînement. Allez, Valori, attention face à Mali. Mali. Voilà, faut le laisser centrer tranquillement, il est pas dangereux. Alors, Tega qui dégage. Voilà, c'est la mi-temps. 0 à 0 dans cette première période, c'est pas mal. On tient le 0-0 déjà, même si on se fait un peu dominer. Il nous suffit seulement d'une occasion pour marquer. On sait très bien qu'on peut marquer facilement, enfin entre guillemets quoi. Il suffit que d'une occasion. Il faut bien défendre surtout. Après les prolongues et les pénalties, ça peut nous aider, hein, ça. On n'est pas très mauvais là-dedans. Surtout les tirs au but. Je pense qu'on a nos chances si on va au tir au but. Autant les pénalties en match, je les rate beaucoup, mais les pénalties au tir au but, ça va. Alors, Tega, bien joué. Pas de solution là. Voilà, jouer court avec Kagel Maher. Qui lance Simon dans la profondeur. Simon avec Amiri. Amiri qui joue vite pour les Yaiseka, c'est bien joué. Les Yaiseka qui a vu partir Amiri. Et là, Amiri qui est totalement seul. Il a vu en retrait les Yaiseka, il lui remet. La frappe s'est repoussée. Ça sera un corner. C'était très bien joué là entre les Yaiseka et Amiri. On va jouer court avec Simon. Pour Valdetrama. Ah, le centre est très mauvais là. Contrairement d'habitude. Ouh, beau dégagement. Bozinski va revenir en retrait, voilà, il n'a pas le choix. Il y a un bon pressing là, il y a un très très bon pressing. Mugosa qui la contre, bien joué. Bien joué, on obtient le corner là-dessus. Simon pareil, comme d'habitude qui va la jouer avec Valdetrama. Valdetrama, le centre, il est beau. Rakarius qui a devancé notre attaquant. Et ICK, attention, pas la perdre. Je joue derrière avec Valori. Qui va lui remettre. Léa ICK le centre. Ah, il est pas bon le centre. Il y avait personne au deuxième poteau. Attention, il se dégage. Ils ont du mal, Mayence là. Ils ont du mal à se dégager. Ça sera une touche. Allez, dommage. On était à deux doigts du corner. Amiri qui est seul. Amiri. Oh, dommage. Dommage. C'était un centre-tir en fait. J'ai voulu centrer pour Léa ICK. Karius qui a été vigilant. Hein. Sinon, ça a tombé dans le but. Oula, attention, Mali. Mali sur ce dégagement anodin. Voilà, beau retour de Bulo. Ah, mauvaise relance par contre. Ah là, attention. Attention. Mali, la frappe. Heureusement, elle n'était pas ultra dangereuse. Ortega qui était bien placé. Mugosa, Leia. Avec Amiri. Qui lui remet. Ça va, dans les passes, on est assez précis là. On s'en sort bien. Simon. Simon, dommage. Bon retour de Benson. Allez, faut lui reprendre. Allez, Simon. Oh là, Bungert. Oh là, le Nico Bungert qui a complètement manqué. Ça relance là avec les Yaiseka qui a récupéré. Valdetrama qui tente sa chance et s'est repoussé par Karius. Oh, dommage, c'était bien placé ça. Allez, Valdetrama, non. Non. Ah, comment gager des corners bêtement. On va faire rentrer Parker. On va faire rentrer Parker, comme je l'avais dit, quand on a ancienne équipe. On va faire rentrer Daoud qui a 63 de général, qui a rattrapé la casette. Hein. Et puis c'est tout. Pour l'instant, on va pas faire d'autres changements. On verra plus tard si on est en prolongation par exemple et qu'on a un joueur fatigué. Allez, Karius à la relance. Daoud qui a voulu la prendre, il a pas eu. Baumgartliner, voilà Daoud, là c'est bien joué. Ah, il est resté à terre, Baumgartliner. De Blasis qui est hors jeu. Et voilà, il est blessé, le capitaine de Mayence. Alors, on leur rend la balle.
Il n'y avait pas hors-jeu en fait, il a juste sifflé pour arrêter le temps. Est-ce que ça va sortir? Non, ça sort pas, j'aurais pu presser, dommage. Après, ça aurait été dégueulasse de presser là-dessus, quoi. Je leur rends la balle et je les presse pour pas qu'ils la récupèrent. Pas très fair play. Voilà, Kagelmarer, belle tête. Amiri. Amiri pour le premier ballon de Parker. Premier ballon de Parker, c'est pas mal joué. Ah, il perd la balle face à Clemens. Oh, bien joué, Kagelmarer. Bon retour. Daoud. Attention, là, ils nous ont pressé. Daoud qui a relancé sur le côté avec Bulot. 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 Là-bas avec Mugoza. Ça va pas sortir. Mugoza au duel. Il est passé. Il est passé, Mugoza. Ah, la passe pour Daoud. Complètement manqué. Oula, Bungert qui est en attaque. Qu'est-ce qu'il fait là? Allez. Benson. Leia, bien, il a bien pressé, mais il l'a pas eu. Cordoba, attention. Bungert qui va lui remettre. Il est seul. Pas de bêtises, pas de faute dans la surface surtout. Alors on l'a bien sorti de la surface. Le bon centre Daoud. Non, c'était Amiri. Ça sera un corner. Un corner à 10 minutes de la fin là. Aïe aïe aïe, il est bien tiré. Alors on a dégagé avec Kagelmarer. Mugoza. Ah dommage, si on l'a récupéré là. Bungert. Bell qui remet. Daoud qui a bien sauvé là. Et c'est pas fini, ça revient. Kagelmarer, bon boulot. Bon boulot, et c'est Bandowski maintenant. Bandowski qui peut nous mener en contre. S'il la perd pas. Non, ça va, il va pas la perdre. Mais les joueurs sont ultra fatigués. Kagelmarer. Elle a bien attendu l'arrivée de Simon. Simon. Simon, bien joué. Simon, le centre. Ça sera repoussé. Ça sera un corner. Ça sera un corner. Et alors, on va essayer de la mettre là où je voulais tout à l'heure. Ah ouais, non, c'est un peu dangereux de faire des trucs comme ça. J'ai voulu essayer celui-là, voir comment ça la mettait, mais Bungert qui était bien placé. Et attention à lui d'ailleurs. Bungert face à Parker. Devant Parker qui arrive pas à le rattraper, quoi. Bungert, c'est pas le plus rapide normalement. Voilà, bon tac de Parker qui en... Non, 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 non. Il y a pas faute, je suis pas d'accord. Il y a même carton jaune, non. Ah là là. Attention, c'est la 90e, faut pas prendre un but. Non. Oh là là. Je croyais qu'elle était dedans. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Eh, ça va être sifflé là, je pense. Bungert. Mali. Allez, Bandowski, fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Non. Non. Ouh, lolo. C'était chaud, on a très mal défendu. 7 tirs, 3 cadrés à 3 tirs, 3 cadrés. C'est un peu compliqué là, c'est un peu compliqué. On va faire entrer Wolf parce que Simon est très fatigué. Voilà le dernier changement. Alors on y croit dans cette prolongation. On y croit, on peut le faire. Allez Wolf, premier ballon, un peu poussé trop loin. Mais bon, il a obtenu la touche, heureusement. Kagelmarer pour Wolf justement. Wolf qui lui a bien donné là pour Kagelmarer. Qui a bien éliminé. Il a vu de l'appel de Leia Iseka. Leia Iseka qui lui remet. Oh dommage, Kagelmarer, il a tenté une frappe bizarre et j'aurais pu mettre en retrait à Amiri, mais c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. J'étais un peu perdu là sur ce que je devais faire. Ah, de Blasis qui a bien été repoussé. Valori. Daoud. Oh là, il y a un peu de son jeu qui est parti. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, qui s'est baissé plutôt. Le son, il s'est baissé. What the fuck. Je sais pas pourquoi le son s'est baissé. Bon, c'est pas très gênant, c'est le son du jeu. Attention, de Blasis, non. Clemens. Je vais peut-être baisser le son du casque sans faire exprès, je vais regarder ça. Ah, c'est certainement moi qui avais baissé mon son dans mon casque, mais je sais pas si ça va le baisser pour vous. Je pense pas. On verra bien. Allez. Voilà, c'est pour toi Ortega, c'est pour toi ça. Ça va revenir, ça va revenir. Parker, vas-y. Voilà, allez. Bien joué Daoud. Mugoza, bien joué. Allez Parker. Allez Parker, tu dois leur faire mal. Ah, bien joué. Ils ont bien récupéré là. J'avais fait une bonne passe. Attention, pas prendre un carton rouge Parker. Ça serait bête quand même. Amiri qui a contré là. Bandowski. Oh, Amiri, faute. Il y a faute sur Amiri là, monsieur l'arbitre. Valori, bien joué.
Bien joué la récupération de Valori. Et le contre. Avec Amiri. Ah non. Il est hors-jeu en plus. Il est hors-jeu. Non, me dis pas. Oh putain, j'ai eu peur. J'allais dire j'ai gâché quelque chose là, mais il était hors-jeu. C'est bien ce qui me semblait. Ah, c'est très dur parce que niveau fatigue, ils sont fatigués justement. Et les passes en manuel deviennent vraiment très compliquées quand les joueurs sont fatigués. Et les accélérations, je vous le dis pas encore plus. Hein. Kagelmarer. Attention à Bungert encore qui est devant. Mali. Non, non. Oh, la frappe manquée de Moritz. Heureusement, ça frappait totalement manqué. Fouh. On n'est pas passé loin. Il reste plus que 15 minutes avant les tirs au but. Allez, seconde prolongation. 15 minutes avant le dénouement. Allez, Moritz. Belle. Mali. Je vais mettre en défensif. Parce que là, je sens qu'ils sont en très très offensif et j'ai pas envie de prendre de risques. Cordoba. Bungert, voilà. Bungert qui est en attaque, donc ça prouve qu'ils sont en ultra offensif, hein, je pense. Parce que Bungert est défenseur. Mali. Cordoba, Mali encore. Parker qui a voulu la contrer, il n'a pas réussi, attention. Oh, ça c'était très dangereux, attention. Encore, non, non, non. Oh, tes gars. Oh, j'ai dû vous briser les oreilles là. J'ai tellement crié. Mais j'ai eu trop peur du petit bug là qu'elle rentre. Que Cordoba. Enfin, que Ortega, pardon, ne bouge pas. Et il y a été heureusement. Allez, Ortega, c'est pour toi. Voilà. Mode de ski, faut y aller. Faut y aller. Ça fraye. Ah, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il faut siffler le hors jeu, monsieur l'arbitre. Bah oui, voilà, parce que là, il récupère la balle et c'est très dangereux. Allez, allez Parker, Devante Parker, tu peux y aller mon pote, tu peux y aller. Voilà, on change de côté, Daoud pour Wolf, Wolf pour Mugoza, Mugoza, Mugoza le centre. Ah, Karius qui est le premier sur le ballon, mais de toute manière il n'y avait personne. Et attention parce que là il faut redescendre. Parker qui la récupère, Parker, Parker bien joué. Bien joué, la passe pour Amiri. Elle est magnifique cette passe. Amiri, le centre, il est parfait. Oh, dommage. Karius qui a devancé Mugoza. Parce que sinon, ça terminait au fond des filets. Là, il n'y avait personne pour l'arrêter. Bengtsson. Bungert. Attention, la dernière occasion. Faut pas leur laisser une dernière occasion. Il faut pas leur laisser à l'Amiri. C'est terminé. C'est terminé. Ça va se terminer au tir au but, justement. Allez, on est parti. On est parti, Kagelmarer qui est le premier tireur. Allez, il faut y croire. Et c'est dedans, c'est dedans. Il est parti du bon côté, mais ça suffira pas. Allez, Cordoba face à Ortega. Allez, allez, on y croit. Ah, c'est dedans, c'est dedans. Dommage, dommage. Allez, les Yaiseka. Les Yaiseka. Et c'est encore du bon côté. Hein. Le gardien qui plonge encore du bon côté, mais je les tire bien pour l'instant. Faut que ça continue comme ça. Mali face à Ortega. Le poteau. Oui. Le poteau de Mali. Allez. Allez, on a un avantage. Mugoza. Face à Karius, c'est dedans. C'était un peu moins bien tiré. Heureusement qu'il n'a pas plongé du beau côté. Allez. Ortega, c'est pour toi là. C'est pour toi. Ah, la Panenka manquée. Allez. Valori, tout repose sur toi. Valori. Et Valori, la Panenka qui rentre. Et c'est terminé. On est en demi-finale, les potes. Après un match où on s'est fait vraiment quand même dominer. Hein. Il faut être honnête. On a été dominé par Mayence. On a eu de la chance qu'il ne marque pas. Et ben on s'en sort encore une fois hein, dans cette coupe. Avec une victoire au tir au but. Sur une petite Panenka en plus. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Regardez, hop. Voilà, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Et nous voilà en demi-finale. Donc j'ai hâte de voir contre qui on va jouer. Et du coup, ce match aura pris beaucoup de temps. Vous allez encore avoir un épisode à rallonge. Hein, vous avez l'habitude en ce moment, mais bon. Je pense que ça vous dérange pas. Alors, il y a Hoffenheim. Non, c'est pas Hoffenheim. Il y a Schalke. Il y a Bayern Leverkusen. Et il y a Mönchengladbach. Ok, Munich et Dortmund ne sont pas du tout là. Ils étaient même pas en 8ème. D'accord, ils se sont déjà fait éliminer depuis très longtemps. D'accord. On a gagné 1 million. Wow. Pas mal, ça. 1 million. Schindler qui revient de blessure, c'est bien. Il y a déjà Schindler qui revient, c'est déjà cool. On va le remettre titulaire et capitaine, hein, bien sûr. Roll, capitaine, Schindler. Mais bon, il jouera pas là les prochains matchs, je pense. Allez, on va être reparti.
pour le deuxième match, donc là contre l'Arminia Bielefeld. On est premier, on a 3 points d'avance, enfin on a le même nombre de points mais un match d'avance, et sinon on a à peu près 3 points d'avance. Mais c'est toujours serré jusqu'au 6ème, après là il y a un petit trou avec Karlsruhe, mais quoique Karlsruhe a un match de moins. On verra bien le classement à la fin de ce match. On va ce maillot là, parce que voilà, c'est un peu compliqué. Schindler, on va mettre... on va mettre Bulot, hein, qui est un peu moins fatigué. Kagelmarer, je suis désolé mon pote, mais tu vas devoir briller, hein, parce que t'es fatigué, mais on a un joueur qui est blessé 6 mois, hein, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent. Notre petit Klosterman, quoi, notre meilleur défenseur. Enfin, notre meilleur défenseur, mon défenseur préféré en tout cas. Allez, faudra enchaîner encore avec une victoire là, parce que ça fait beaucoup de victoires d'affilée. Hein. Enfin, quoique, le match d'avant c'était un match nul, mais c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Allez, Valdetrama. Oui, tech. Oh non, elle sort. Très mal joué de ma part ça. Müller. Oula, Müller qui déborde. J'aime pas quand il y a de la neige. Par contre, face à Rodney, il fait pas le show. Voilà, Rodney, il est présent. Voilà, faute. Y'a pas faute! La frappe et Ortega qui est présent. Allez, Wolf. On voit pas très bien la balle du coup. Ça devrait être automatique dès qu'il neige, les balles blanches deviennent d'une autre couleur. Allez, Zwolinski. Zwolinski. Ah, dans la profondeur pour Valdetrama. Ah, il est repris par le défenseur de Belfield. Oh, il est bien lancé là, Kagelmarer qui est totalement lâché. Il n'arrivera pas à le rattraper, il est déjà épuisé, Kagelmarer. Avant de commencer le match, il est déjà épuisé. C'est compliqué. Hein. Il va pas le lâcher quand même, il va se battre. Il va se battre. Kagelmarer, regardez, il est encore là. Oh la barre! Oh quelle tête! J'ai été silencieux pendant la tête là, mais waouh! Elle était tellement puissante. C'est pas terminé. Avec Klos. Et voilà, Witek. Witek. Ah, il est taclé par Dick. Ah, ça va, ça va être bien repris. Dabrowski qui lance tranquillement sur Okocie. Et Okocie qui donne à Wolf. C'est parti pour la contre-attaque. Wolf pour Liendl. Liendl qui va partir de l'autre côté. Il a éliminé son vis-à-vis. Qui revient d'ailleurs. Ah, il a voulu la donner à Okocie. Dabrowski. Pour la faute. Il n'y a pas faute. Enfin, moi j'ai fait une faute, hein, je voulais dire. Il n'y a pas faute sur moi. Hein. Je crie pas faute sur moi alors qu'il n'y a pas faute. Hein. Ah, le centre complètement manqué là. Allez, une petite série de victoires, c'est bien. Là, en championnat, on est sur 3-4 victoires d'affilée, non? Si je dis pas de bêtises. De l'épisode d'avant, on a gagné. Je sais même plus ce qu'on a fait l'épisode d'avant. C'est pour vous dire. Hein. Je l'ai fait il y a 2 heures, mais je m'en souviens déjà plus. Le mec. Ouh, bien joué. Il me semble que si on avait eu 2 victoires. On avait eu 2 victoires. Et l'épisode d'avant, je crois qu'on avait eu 2 victoires aussi. Mais il y avait 1 victoire en coupe, ouais. Donc. Ça fait 3 victoires d'affilée en championnat. 3 victoires d'affilée en championnat. Ah mais on a gagné dans ce match, dans cet épisode. Ah non, c'était les matchs de coupe. Oh là là, je suis perdu moi dans les matchs. Ah, donc on est à 3 victoires d'affilée en championnat, ce qui est déjà bien. Ça serait bien d'enchaîner avec une 4ème. Oh, le centre il est beau. Oh Ortega, mais c'est un génie ce gardien. Ce gardien est un génie. Je peux pas le vendre, même s'il a un général moins bon. Regardez ce qu'il nous fait là. Oh magnifique ce petit arrêt réflexe là en bas. Et on a encore dominé hein. Cette saison, on est vraiment souvent dominé. Et pourtant, on gagne au final. Ortega, allez, vite! Lève-toi! Oh là là, ça va, il a réussi à bien la donner à Zwolinski. Zwolinski, il n'y a personne qui vient l'aider aussi. Zwolinski. Pour Liendl. Liendl qui va lui redonner. Zwolinski, il est passé. Oh. C'est même dur de voir nos joueurs, je trouve, dans la neige. Avec le maillot bleu et blanc, on les voit pas très bien. Valdetrama. Ah, je l'ai pas bien donné. J'aime pas les touches. Domster. Et voilà, on va récupérer une touche. Ils se sont sentis pressés, ils savaient pas quoi faire. Zwolinski qui joue derrière avec Valdetrama. Le petit dribble. Ah, la passe pour Okocie qui est pas passé. Choupane. Voilà, bien joué Okocie. Encore, faut la récupérer. Ah non, Okocie, c'est quoi ça? Oh, attention le grand pont. Attention. Non, Bulos, magnifique défense. C'est magnifique comment il s'est passé, comment il est passé devant lui. Liendl. Ah, Liendl qui a pris, était pris par le retour de Mast. Valdetrama. Il joue avec son gardien.
C'est risqué ce qu'ils font là, ils ont du mal à s'en sortir. Mais ils vont y arriver comme d'habitude, hein. L'ordi s'en sort toujours sur ces phases de jeu. Dick, attention. Müller. Bien joué Valdetrama. Rodney. Pour Dabrowski. Pour Liendl. Allez, Okocie qui est seul dans la profondeur. Okocie, c'est à toi de briller. Okocie, non, t'es nul, Okocie. C'est parfaitement fait. T'es très nul. Mast. Choupan. Choupan qui déborde. Avec Kagelmarer qui est épuisé. Pour la frappe. Non, manqué. J'aime pas ce match parce que j'aime pas le terrain. Je déteste le terrain un peu enneigé comme ça. Et souvent ça paye en plus. Je vois pas grand chose. Ça me perturbe, j'aime bien les terrains bien verts là, très beau. Oula, la petite faute sur Witek. Essayez de jouer vite si possible. Voilà, on peut jouer vite. Vite et bien en plus, c'est ça qui est cool. Valdetrama qui est passé entre les deux, il les a un peu humiliés là. Et pourquoi tu fais l'appel devant moi? On va rejouer derrière avec Witek. Witek. Je vais tourner avec Dabrowski. Pour Okocie. Ah, il a tenté le 1-2. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, 0-0, pas très beau match. En général, l'épisode, vous n'avez pas eu de but hein, pour l'instant. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas non plus très avare de but. Hein. Vous aimez cette carrière pour ceux qui la suivent. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de monde qu'avant, mais c'est pas très grave, moi, ça me dérange pas du tout. Tant que ceux qui sont là, ça leur plaît, ça me fait plaisir. Et puis c'est toujours les mêmes qui commentent, ça me fait super plaisir de voir toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que vous aimez vraiment bien cette carrière et ça, c'est le plus important pour moi. C'est pas le nombre de personnes qui regardent, c'est ceux qui regardent s'ils aiment. Et s'ils reviennent à chaque fois, c'est ça surtout. Et là, c'est ce que vous faites, vous revenez tout le temps et ça, ça me fait plaisir. Allez, on va obtenir un petit corner là. C'est pas mal, Wolf, ce qu'il a fait. Allez, avec Valdetrama, c'est toujours lui. Oh, les belles. Oh, dommage que la frappe était pas terrible, mais le centre était tellement bien vu. C'est pas ce que je voulais faire, hein, je vous rassure. C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais finalement, ça arrivait. C'était tellement bien et la frappe a été dégueulasse derrière. Je suis tellement déçu. Et Dabrowski, là, qui a fait une frappe dégueulasse aussi. Je suis deg. C'est bien, on est revenu avec des bonnes intentions déjà. Oui, tech. Oh non, il l'avait, il l'avait. Rodney, allez, Rodney. Lâche pas, mon pote. Pemester. Qui donne à Issel. Qui lui remet et qui rejoue avec son gardien. Avec Dick. Pas très beau le jeu que nous propose l'Armina Bielefeld là. Mais bon, il joue contre le premier. Peut-être qu'il joue le match nul. Hein. Allez. Yandel. Pour Dabrowski. Dabrowski pour Zwolinski, les deux Polonais. Ah, bon tacle de Dick. Allez. ...100% de passe réussie pour l'Armina Bielefeld. Vous avez pu voir au-dessus. C'est abusé quand même. Hein. C'est abusé de réussir 100% de ses passes. Ils n'ont pas raté une, quoi. Les seuls ballons que j'ai récupérés, c'est des interceptions. C'est quand même fou. Dabrowski, voilà, encore une fois. Magnifique interception. Et la passe qui ne passe pas. Yandel. Yandel. Allez, Yandel qui a pas lâché. Ah, mais c'est pour Kagelmarer. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est épuisé, le pauvre. Il est épuisé. Je vais essayer je vais le sortir, d'ailleurs. Remettre la casette sur le côté. Remettre la casette. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne petite idée. C'est une bonne petite idée. Remettre la casette là parce que on a besoin. Il joue pas là, mais j'ai besoin d'un joueur frais. Et je pense que la casette peut faire mal sur ce côté-là d'ailleurs. Et après, les autres sont ultra fatigués, donc vaut mieux pas les mettre. Il vaut mieux pas les mettre. Allez, je suis sûr que la casette va faire quelque chose de bien. Yandel. Ce ballon est perdu. Pour Dabrowski. La casette justement pour son premier ballon. Ah, belle passe pour Okocie. Okocie qui va tirer. Ouh, il a été repris par la défense juste à temps. C'était bien joué Okocie, il avait bien éliminé. Et Wolf qui fait son retour là parce que la casette n'est pas placée. Voilà, bon tag de Wolf. Très très bon retour défensif. Ah non, mais c'est n'importe quoi ça. Gorlitz pour Junklas. Dabrowski encore.
Ah, c'était bien joué ce qu'il avait fait. Il y a personne dans l'axe. Rodney, vas-y, vas-y, sors. Ah, je sors mes joueurs là, c'est pas bon. Non, bah oui. Eh bah oui. Eh bah oui, c'est tout à fait normal. J'ai sorti tous mes joueurs de l'axe. Ça leur a laissé énormément de place. Et regardez ce but. Enfin, cette passe là, bien joué. Et il la met là. Boum. Magnifique, en pleine lucarne. Ortega ne peut rien faire. Très très joli but. Et on va se mettre en ultra offensif là. Il reste un quart d'heure. Il faut absolument faire quelque chose. Wolf. Pour Liendel. Liendel dans la profondeur pour Zwolinski. Est-ce qu'il va l'avoir? Oh, faute. Et oh, penalty. On obtient tout de suite un penalty. Et c'est pour Liendel. Allez. Allez, Liendel, faut le mettre. Et c'est dedans. C'est dedans. Et voilà. On est revenu tout de suite dans le match. Sur la seule occasion qu'on a eue. Et on l'a eu tout de suite après. Regardez, 73e, 75e. Voilà, qui est fait. Et le match recommence à zéro. C'est bien, c'est bien. Ah non, ça c'est chiant quand ça fait ça. Witek, c'est vrai, on devrait avoir un bouton pour la laisser passer dans ces situations. Parce que là, il a été vers le ballon. Du coup, il l'a touché et il l'a fait sortir. Ça, c'est un truc très bête dans FIFA, je trouve. Allez, Liendel. Oh, bon tacle. Quel tacle de Dick. Putain, le mec s'appelle Dick quand même, quoi. Je sais pas si vous parlez bien anglais, mais bon. Si vous avez un minimum d'anglais, Dick, vous savez ce que ça voulait dire, quoi. Choupan. Oh, la frappe, Brinkman. Plus que 10 minutes dans ce match. Zwinski, ah, dommage. Ça repart avec Noteux. Ah, Noteux. Il jouait à comment dire, à Greuterfurt avant. Enfin, il y a quelques années, hein. C'était pas l'année dernière. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il est parti de Greuterfurt. Peut-être que c'est cette année, hein, mais je me rappelle qu'avant il jouait à Greuterfurt, Christopher Noteux. Hop, voilà, on va la récupérer. Ortega, la relance avec Okocie. Okocie. Okocie dans la profondeur pour Wolf. Elle est magnifique cette passe. Elle est magnifique, mais Wolf qui est fatigué va se faire attraper, je pense. Allez, un bon centre. Ah, elle est pas très bon. Il est pas très très bon le centre. Pas bon du tout même. Witek. Witek, magnifique. La récupération de Witek. Witek. Witek pour Liendel. Liendel, le doublé, non! Liendel, son face à face manqué. Oh non, il doit le mettre là, il doit le mettre. Valdetrama, le centre, il est beau. Ça va revenir avec Witek. Rodney. Oh non, il n'y a personne qui est placé. Dommage. Noteux. Voilà, bien joué Zwolinski. Ah là là, ça veut pas, ça veut pas. Choupan. Salguer. Attention, il est seul. Et c'est fini. C'est fini, match nul. On a eu l'occasion de mettre le deuxième but à la fin avec Liendel. Et on l'a manqué, malheureusement. On s'en sort avec un match nul, mais au moins, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça. Parce qu'on a été mené, on a tout de suite réagi, c'est ce qui est le plus important. On est toujours premier, regardez, on a un point d'avance, on a 3 points d'avance sur le troisième, et on a 6 points d'avance. Ah non, pas d'arbre, on a un match en moins, mais on peut avoir 6 points d'avance sur le quatrième. Ce qui serait pas mal, hein, ça nous ferait avancer. Schindler qui nous dit qu'il peut jouer. Bah, j'espère mon grand, j'espère que tu peux jouer, mais si je vois que t'es blessé, non. Oh, on est premier. Ok, avec notre match de moins. Alors on va regarder contre qui on va tomber en coupe. En demi-finale, c'est dans très longtemps. Et c'est contre Mönchengladbach. Mönchengladbach, ok. C'est faisable pour moi, c'est vraiment faisable. Donc c'est dans 3, 6, 7, 8, 9 matchs. Donc c'est dans 2, 4, 6, 8. C'est dans 4, 5 épisodes à peu près. Donc d'ici 3 semaines, 2-3 semaines, vous aurez la demi-finale de la coupe. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao, ciao.